Eh bien, bonjour à tous, nous sommes donc à la suite du précédent épisode et nous devons donc traquer un chef de guerre orque qui s'est amusé à fricoter avec des nécromanciens de tout poil et de tout genre, et c'est-à-dire des goulets, des vampires, youpi, pour se venger des humains en déferlant sur Daggerfall une armée de morts-vivants. Donc là, je dois traquer ce chef de guerre orque et lui faire la peau. C'est quoi ce bruit? Et ça a l'air d'être compliqué parce que je me retrouve face à des ennemis clairement bien puissants. Donc je vais devoir faire attention. Je suis curieux de voir ce qui se cache là. On va y aller. Prends son temps. Pire des cas, on peut remonter. Ouh, il fait mal. Dégage. Je peux pas être rapide à cause du fait que je suis en pleine lévitation. Qu'est-ce que tu m'as... Oh! Ah, il est pas tout seul. Soin. Voilà, parfait. Mince. De la lumière. Parfait. Et ici. Porte, c'est ouverte. Quelqu'un défonce une porte. Et je me casse. On va le laisser défoncer la porte et on verra un peu qui s'en échappe. C'est sombre, hein. Même avec la lumière, c'est sombre. Bon, on va les laisser tranquilles en bas. Là, ça a l'air d'être des gens sous-exploités ou je ne sais quoi et qui sont très vénères. Il y avait une autre porte hein, qu'on avait vue tout à l'heure, hein, celle-là. On va passer par là. Oh putain de saloperie de... Chier, c'est pas possible. Ah, le soin. Sois vénère, ce fantôme. Soin. Non, je m'étais soigné en même temps. Mais quelle déception. Oh là là, quelle tristesse. Elle sort de là, je sais que t'es là. Voilà, aïe. Non, ça, je suis pas invincible. La preuve en est. Oh là là, mais c'est l'enfer. Voilà, je t'ai vu. Ok, c'est clairement pas un chemin. Mais est-ce qu'il y aurait un trésor ici? Non, il n'y a rien. C'est juste un cachot. Et j'ai libéré comme un débile la saloperie qu'il y avait dedans. Il y a aussi ce passage-là, l'étage qu'on peut prendre. Mais vous savez quoi? Moi, j'aime creuser. On retourne vers là. Bonjour! Haha, je sais que tu es là! J'ai parlé avec mon dos! Oh là là, ils font vraiment mal. Faudrait aussi que je pense à réparer mon équipement. Dès que je sors de ce donjon, je pars au forgeron et je vais réparer tout ça. Quatre portes s'offrent à nous et j'ai l'impression que c'est quatre endroits qui ne mènent nulle part. Mais cette fois-ci, personne ne défonce quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui réagit si je bouge tel ou tel crâne? Ah si, voilà, là, il est en train de défoncer. Non, c'est bloqué par des barrières magiques. Là aussi. Tout est bloqué par des barrières magiques. C'est un fantôme qui est là. On le voit à travers la porte. On voit ses yeux bleus cadavériques. Bon, on va laisser ça tranquille. Tant pis. Oh. Non, je crois qu'il avait réussi à défoncer la porte, mais ce n'est pas le cas. Oh! Et laisse-moi dormir tranquille! Liche de mes... I want to sleep. Parce que toi, tu t'es réveillé d'entre les morts que tu dois m'empêcher de dormir. Dégage. Voilà, purée, elle m'a fait mal. Encore un coup, j'étais mort. Heureusement qu'elle est riche, cette goule. Enfin, cette liche. Je finis ma sieste, c'est parfait.
Elle va monter à l'étage, hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai paniqué. J'ai paniqué. J'ai entendu des grognements, j'ai paniqué, j'ai cliqué sur la mauvaise. Je me hais. Tant pis, je recharge. Ah, désolé, hein. Qu'est-ce que c'était que ce bruit, là? Il y avait encore un orque qui me reniflait les fesses, ou comment ça se passe? Oh là là, bon. Bon, cette fois-ci, on va aller directement en haut. Hein. Ah, j'enchaîne des conneries, là, c'est incroyable. Hein. Donc, à levitate. Levitate, alors. Je lévite. Donc, en montant, on arrive directement à l'endroit où on est arrivé la dernière fois. Cette porte, j'ai pas ouverte, donc c'est un chemin que je ne connais pas. Oh non, dude! Non, mais oh, laisse-moi tranquille! Meurs! C'est bien beaucoup d'objets sacrés pour des liches qui semblent défier tout ce qui est sain. Oh non, pas des portails. Oh, c'est mieux en moi de se perdre. Oh. Oh. Oh, est-ce que je le prends ou pas? Allez. Ah, il marche pas. Oh, ça va. Il marche pas. Il est en panne. Ça manque d'entretien, tout ça. Est-ce qu'il y avait la grosse orque ici? On voit rien. On voit pas beaucoup plus. Oh non, El Fantominus. Viens là, viens te battre. Tu recules. Tu as raison de reculer. Ouh, un petit anneau. Bien sympa. Alors, voyons ça. Ça tombe bien, j'en avais pas. Joli petit cadeau. J'espère que c'est pas une malédiction, j'aurais l'air con. Bonjour. Oh non, je comprends rien. Où je suis, où je vais. Il y a un fantôme là-bas au bout, je le vois. Je vais pas le chercher. Ah. Aïe. Ça n'a pas fonctionné. Vampirette. Oula. Oh, quelle rapidité. Toum. C'est ça mon... Non. C'est ça l'anneau? Ouah, je suis méga rapide. Trop puissant cet anneau. Ah, ça semble difficile. Non, j'ai pas réussi à l'ouvrir. Est-ce que si j'utilise ça? Ça fonctionne, parfait. Oh. Vampilou. Prends ça. Tu ne peux rien faire face à mes gestes rapides. Ouais, par contre, ça te nique ton endurance. Les joueurs vénards. Très très vénards. What? Ah, j'ai dû être empoisonné, je suis mort. Tac 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 tac. Je suis plus rapide que toi. Par contre, tu m'as fait mal. Voilà. Ok, ok. Donc on a ici un autre vampire. On va aller se venger. Parfait. Buongiorno. Oh si, je balance des trucs. Arrête de balancer des trucs aussi, toi. J'ai arrêté d'appuyer. D'accord, donc c'est automatiquement. Tu peux balancer des boules de feu à la chaîne. Il faut pas recommencer à chaque fois. Ok. Le Fantominus droit devant nous. Arrête de me balancer des trucs là. Viens de battre! Il est complètement pété cet anneau là.
Et qui est en dessous là, je t'entends. Je vais dormir. Tel qu'un petit roupillon au milieu d'un donjon hanté. Ah, tu m'as laissé. Oh, t'es gentil. J'ai presque honte de te tuer. Oui. En plus, regarde, tu pars. Bah, allez, je suis gentil. Je te laisse. Amuse-toi bien. Bisous. Oh. Ah, bah oui. Non. Si. Ah, non, attention. Hein. T'es gentil. Hein. Oula, tu te calmes. Tu te calmes. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça va? J'ai pris quel coup de foudre. Je me suis fait avoir. Oh là là. Oh, un petit rubis. Ouais, j'en ai déjà pas mal de rubis. Oh non, c'était l'erreur. Oh non. J'ai chopé une MST, je suis mort. Excuse-moi, je passe, j'ai pas le temps là. Faut de go fast. Voilà, dégage. Il me cache mon clavier, j'ai du mal à voir où je touche. Donc pour avoir accès à mes raccourcis, c'est pas super. Parfait. Hop. Code go fast. Code go fast. Non. Mais combien de faux. Mais c'est pas vrai. Voilà. Tu me laisses tranquille cette fois-ci. Oh. It's you, motherfucker! Ah non, c'est pas lui non plus, c'est un autre orc. Ce serait tellement simple si le boss du donjon pouvait venir à nous, juste en dormant. Comme si de rien n'était. Ce serait tellement plaisant. Bon, Georgette, t'arrêtes! Toi, on sait que t'as des MST, toi. Je te massacre sourd en mur. Merci. Ah, t'as le même rubis, je suis étonné. Chose là, quelque chose, et j'aime pas ça. On a juste pas de porte. 6 de éclairer tout ça. Pouf, on ne voit rien. Excusez-moi, mais j'aime pas être sur cette trappe. Je sens que c'est un piège. Sauvegarder, hein. J'ai pas envie de me taper 50 fois les mêmes combats. On grimpe, on grimpe, on grimpe, allez, grimpe. Merci. Grimpe, tombe pas. Quelqu'un ici de gentil. Ou de tout vert et tout cornu. Genre un gros orque vilain. Non, encore un putain de vampire. Allez, crève, tu me casses les couilles. Faut le camp. Ouf, j'ai de la chance. Il n'était pas tout seul là. Oh là là, cette attaque! Cette attaque! Dans le dos alors que je courais en armure lourde. Ah non, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Oh, une carte. Ok. Non, bah, on va prendre des trucs plus positifs que ces armures de cuir nul à yesh qui ne valent que dalle. Hop, 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 parfait alors. Bon, les ingrédients sont lourds et rarement très utiles. Surtout que le système de craft de potions dans Daggerfall est un peu pourri, t'es obligé d'utiliser les services de quelqu'un. Ok, il y a des ennemis tout près. Ah. Ok, nous sommes donc ici. Nous avons fini la boucle. Je vous entends, hein. Je sais que vous êtes là quelque part. S'il y a un passage secret quelconque que j'aurais zappé en passant à côté. Là, il y a un passage. Là, il y a un passage. Heureusement. Oh, de te tuer. Mais what the fuck? Vous étiez où là? C'est quoi cette partouze? Mais où là? Vous faites peur? El vampire avec sa petite cape. Oh! Capelose! Dégage. Voilà. En tout cas, les fantômes, c'est des nids à objets magiques. C'est plutôt pas mal ça.
Bon, maintenant ça c'était découvert, c'était un échec. Qu'est-ce qu'il me reste à découvrir? Ah oui, il y a ça. Ouais, ben, on va aller là. On va aller là, je pense pas qu'il y a d'autres endroits. Ah si, ici, il y a un passage secret. Hop, 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 hop. Parfait. Oh! Ah bah voilà. On s'est voilé. Je ferme, j'ai pas envie que quelqu'un me suive facilement. Oh! Oh, une hache d'Edric de bataille! Oh! Potion de purification, qu'est-ce que ça fait ça? C'est une sorte d'antidote. Ça nettoie les intestins. C'est coquet, j'allais dire chez vous, et ce que vous faites, c'est que vous me m'engueulez là. Je voulais juste être poli. Je t'entends, t'es là. Mais bah, je te laisse la défoncer. Non? Major! On laisse. J'ai plus de magie. Je peux pas me reposer. Je suis dans le caca. Et j'étais aggro par un vampire. J'ai essayé de m'éloigner un peu de la zone et de dormir un peu plus loin. Alors il y a vraiment un truc qui me colle au cul. Laissez-moi dormir. Merci. C'est pas vrai. T'as un objet magique, toi? Potion d'invisibilité, ça peut être sympa. Ça... Ah non mais... Ah! Comme ça, à travers les murs. Mais c'est pas du jeu. Vous êtes là-haut, monsieur? Que se passe-t-il? Viens vous battre, venez vous battre, vampire. Voilà. C'est tellement fort cet anneau. Bon, ça va être à ton tour de te battre. Défonce la porte plus vite que la lumière. C'est la guerre. Aussi vite libéré, aussi vite trucidé. Hein. Elle a pas de chance. Bon. Clairement, on trouvera moins facilement notre objectif que lors du précédent donjon. Ouais, pas le choix. Hein. C'est de l'exploration pure. On voit rien. Oh. Bah, te voilà, toi. Toi qui tapes à travers les murs. Épée d'argent. Je sais pas combien ça peut valoir. Mais ça va pas valoir grand chose. C'est quand même plus portable que le reste. Bon. Et réfléchissons. On sait qu'il nous reste un passage à prendre que nous n'avons pas encore fait. Mais une fois encore, je suis saturé de butin. Et je commence à avoir tellement de pièces d'or que je ne peux plus rien prendre. Bon, vous savez quoi, on va se laisser ici pour cette partie de l'aventure qui s'éternise. On va devoir passer par le dernier chemin que nous avons trouvé, qui n'a pas encore été exploré, et espérer mettre la main sur ce fichu orc. Parce qu'autant on peut tuer des vampires et ces acolytes qui viennent me déranger dès que je veux fermer l'œil, mais malheureusement on ne trouve pas leur chef. Bref, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire. Soutenez la chaîne un maximum, s'il vous plaît. Et on se dit à la prochaine. Salut. Bye bye.